Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais super bien. Allez, on y va. On va voir les messages d'aujourd'hui. Alors là, en général, bon ça, c'est plutôt pas mal. C'est une des meilleures cartes, je dirais même la meilleure. Ou en règle générale, si tu as, peu importe tes rêves, ce que tu désires, en général, c'est où tu as tout réalisé. Tes rêves les plus dingues, possibles, imaginables, ou alors ça arrive, ok? Donc après, il n'y a que toi qui sais ce que tu veux, ok? Mais en général, c'est soit tu as déjà tout réalisé, soit ça arrive, ok? Mais bon, qui n'a pas des rêves dingues, machin, hein, bon. Mais en général, crois-y très très fort, ok? Donc là, en général, j'ai plutôt une bonne évolution, que ça soit pour toi ou tes proches qui arrivent, ok? Donc voilà, parfois dans c'est plutôt dans tous les domaines de vie, ok? Donc voilà, et puis on te dit qu'il faut aussi y croire. Alors là, on parle de retard. Alors il peut y avoir des retards d'ordre professionnel, mais encore des retards dans le plan affectif. Mais c'est pas parce qu'il y a des retards que forcément c'est fini, ok? Parfois on n'a pas le choix que de décaler certaines choses, ok? Alors soit tu le sais, soit tu ne le sais pas, mais voilà, c'est pas parce que des choses sont retardées que forcément c'est fini, tu comprends? Mais c'est vrai que je vois des retards, retard pro, retard affectif, voilà, ce genre de choses, pas mal de choses un peu décalées, mais j'ai une belle victoire. Alors, ça dépend, hein. Ça peut être tout plan, donc professionnel, donc accroche-toi, tu as une belle victoire au bout du chemin, sentimentalement aussi. Ok, donc voilà. Ouais. Donc pour moi, ça devrait aller. Ça devrait s'arranger. Ok, donc l'au-delà te le dit. Ok, c'est pas parce que il y a quelques petits retards sur ton cheminement que forcément c'est fini ou que c'est la fin du monde. Alors là, il y a le côté affectif. Ok, par exemple. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça peut